Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa Cidiamont, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un colis, pardon, de la société FG Normal, je vous l'écris ici. Ils m'ont contacté le 4 septembre et j'ai reçu le colis le 16 septembre, donc ça a mis 12 jours, rien à dire. Ça a été très très vite. Oui. Donc, un article deux Canon Pentium. On va prendre celui-ci. Je commence à, comment on va dire, préparer ma Noël. Et j'ai choisi un ornement. Il a l'air trop trop beau. Waouh! On va pousser ça. On va mettre ça là. On va regarder le tout kit style école barquette classique. Ah bah décidément. Pardon. Et regardez-moi ce joli modèle. Waouh! C'est un joli bonhomme de neige avec des petites maisonnettes ici, des petits rennes, des petits personnages, un fond de maison là, oh, la petite lanterne, magnifique. Je vous mets sur pause. Voilà, excusez-moi, j'ai été mouchée et j'ai encore éternué, je ne sais pas ce que j'ai attrapé froid hier. On était dehors et j'ai attrapé froid, magnifique. Même là, dans son chapeau, il y a un petit paysage magnifique. Alors, on va voir comment ça colle. Mais ça doit bien coller. Ça colle nickel. Alors, cet ornement sur la société FG Normal est au prix de 10,51 € quand j'ai fait ma sélection. Il est que recto et il n'est pas verso. C'est du plexi assez épais. Vous voyez. Et ça... Début novembre, je vais commencer à faire mes diamond painting de Noël. Le socle est comme ceci. Bah, t'es là, toi. C'est un paysage de Père Noël. Un paysage. C'est un Père Noël, pardon. Il est assez épais, vous avez vu. Je pense que c'est pour le maintenir. Quand on va avoir les diamants, je pense que c'est ce qu'il faut. Voilà. J'ai ceux de l'année dernière et de l'année d'avant que j'avais fait. Et je les sortirai, je vous montrerai comme j'avais fait l'année dernière. Je vous ferai mon petit room tour de ma petite déco de Noël. Donc, on va regarder. Et je commence à regarder un petit peu les trucs de Noël. Alors, nous avons de l'argenté, des noirs, des jaunes, des oranges, des jaunes très très pâles, des marrons, des yeux de chat fastés argentés et des blancs classiques, c'est pas des AB. Peut-être que moi je mettrais des AB. B, c'est ça. Le B, ça sera où? Le B, ça sera dans quoi? Je ne vois pas la lettre B, ça sera dans quoi? Ah, dans les petites lanternes là. Là, là et là. Ouais, ça peut être sympa de mettre du AB. Là, pas beaucoup. Pourquoi pas? On essayera ça ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis ravie parce que je m'attendais à... Des fois en photo ça fait joli, puis des fois on est déçu quand on le reçoit. Mais non, je suis ravie. En plus, il est épais, donc c'est nickel. Je mets tout ensemble. Je vais mettre tout dans le petit sachet pour ne pas les perdre. Voilà. J'ai quelques. Je commence à avoir quelques bricoles à faire pour Noël, donc j'en avais de l'année dernière. Voilà, on continue avec la période de Noël.
ce sont des porte-clés Bloom Noël. La ribambelle. Apparemment, il y a pas mal de modèles. Mais moi, je ne les mettrai pas en porte-clés. Je vais les mettre en... Je les mettrai avec des attaches pour mettre dans mon sapin. Hop, on va compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une attache, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Il y a 12 porte-clés. Déjà, on a bien les mousquetons. Je vais mettre là-dessus. On va voir si on a les... On a le stylet, la barquette et le pain de cire. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le comptillé, on a les 12 ficelles. Enfin, ficelles accroche quoi. Alors, on va regarder les modèles. On a celui-ci avec le sapin. On va regarder un, c'est super bien imprimé, ça colle nickel. On a celui-ci, avec son petit scooter, on a celui-ci avec son petit baluchon en forme de Père Noël, on a celui-ci avec, il a quelque chose dans les mains, une boule de Noël je pense. Celui-ci avec les cadeaux de Noël. Celui-ci, magnifique. Ils sont un peu collants. De toute façon, les porte-clés sont toujours un peu collants. Celui-ci. Celui-ci avec sa lanterne. Il est très beau. On va le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Celui-ci avec un flocon de neige. Celui-ci avec sa petite pancarte. Recto verso. Hein. Celui-ci. Et celui-ci avec son petit, comment on dit, sa luge en bois. Et ses porte-clés sur le site de FG Normal est au prix de 9,34€. Donc ça fait même pas 1€ le porte-clés. C'est vraiment pas cher du tout. Alors, je vois qu'il y a des jolis diamants. Il est où ? Voilà. Ah, un diamant dans des sachets. Enfin, un, voilà. On a la quantité. Hein. On va regarder. Non, ce ne sont pas des AB. On a deux paquets d'argenté. Un, deux. Du blanc classique et des verts. Vous voyez, les paquets sont bien remplis. Hein. Ah, il faut faire 12 porte-clés. Hein. Alors, on a des oranges. Des oranges plus clairs. Des jaunes. Des rouges magnifiques. Encore des rouges. Est-ce que c'est le même? Oui, les deux paquets, c'est les mêmes. Du vert d'eau, du bleu, du rose, du noir classique, du saumon, magnifique celui-ci. Et on a un sachet comme ceci, d'œil de chat bleu. Et ça, ça va aller où? Les étoiles. Ah, ça va aller là-dedans. Ça va aller ici. Dans la fleur, ça va être joli.
Oui, porte-clés au prix de 9,34 €. Pardon, c'est mon chien. Excusez-moi, c'était mon chien. Ça aussi, ça sera fait au mois de novembre. Je vais mettre ça dans une boîte spéciale Noël. Je vais trier ce que je veux faire. Il me semble que j'ai une couronne aussi à faire que j'avais l'année dernière. Où je regarde dans mon tiroir de diamond painting accessoires. Enfin, oui, accessoires. Voilà, je vais mettre comme ça. Tout dedans. Je referme. Voilà. Et la dernière chose que j'ai choisie, je reviens, je vous mets sur pause. Voilà, je vous ai mis sur pause, j'ai enlevé un peu le papier. J'ai choisi un point de croix. Alors, c'est la compagnie sans nom. Le tout kit avec un joli papillon. L'enfil aiguille. Nos 5 aiguilles avec le pompon. Et la petite box comme d'habitude, les petites étiquettes comme ils font maintenant, et j'ai choisi ce modèle. Ce modèle-ci qui est très champêtre et automnal. Ma petite fille que j'adore, là elle n'a pas son chien, mais elle a son écureuil. C'est une 40x50 en 11 CT avec des champignons. Attendez. Je vais peut-être vous montrer comme ça. Ça sera peut-être mieux. Vous avez vu, c'est trop chou. Petit détail des champignons en forêt. Avec les arbres. Magnifique. J'aime beaucoup. On a les explications. Comment faire du point de croix. On a le patron. Et on a 44 couleurs. Et le patron a un peu bavé. Mais il est assez clair et assez grand. Voyez ma main. Je vous l'ai dit, une 40x50 en 11 CT. Je vous monte un peu plus près. On a toujours l'image qui est remise ici. Avec le nombre de couleurs. 44 couleurs. On va regarder la toile maintenant. Là, je veux bien qu'on voit l'image. Je ne sais pas pourquoi il plie toujours au milieu. Moi, j'aime bien qu'on voit l'image. Voilà. Je vais mettre ça, je vais mettre par-dessus ça. Voilà, ça va la tenir. Voilà. Donc, le patron est super bien imprimé à ce que je vois. 40x50. 11 CT. Magnifiquement bien imprimé. Voilà. Là. Et là. Avec une de couleur. Nickel. Surjeté comme d'habitude. Vraiment, vraiment très très bien imprimé. C'est pas des couleurs qui arrachent les yeux, ça va. Donc voilà pour la toile. On va regarder les fils. Ils ont changé leur système, je ne sais pas pourquoi. Je leur pose la question. Peut-être pour des économies, je ne sais pas. Aucune idée. Alors, voici les couleurs. On a beaucoup de marron. Du noir. Du marron. Encore du marron. Du vert. Magnifique.
Or du vert, du beige, encore du beige, du marron, encore, de toute façon c'est éteint au tonal, du vert, ça c'est un peu jaune marron, magnifique, du marron, tous les teintes de marron, de vert, ce vert là, l'air pomme, magnifique celui-ci, du marron, du crème, du gris, ce vert là, magnifique, du beige, du marron, voilà toutes les teintes, magnifique. Je vais essayer de vous les mettre. Vous avez vu, ça va être splendide. C'est vraiment une toile automnale. Cette toile sur la société FG Normal est au prix de 8,17 €. Ça s'avère être du bas. Cette unboxing est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je remercie infiniment la société FG Normal pour leur confiance. De toute façon, les petits ornements de Noël, vous allez les voir bientôt sur la chaîne. Ouais, fin octobre, début novembre, je vais commencer à en faire pour que j'aille pour Noël. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. Et moi, je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.